Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une vidéo bilan. Et oui, rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, on avait traité une tôle à l'antirouille, une tôle rouillée avec de l'acide phosphorique et du rustol. Et maintenant, après quelques mois, on va voir le résultat de tout ça. Alors voici la tôle que l'on avait traitée il y a quelques mois. Donc vous avez la partie au-dessus où on n'avait rien fait, on avait juste décapé la rouille brossée. Donc là on peut voir qu'elle n'a pas vraiment bougé, elle a juste un petit peu rerouillé. Voilà, elle est restée à l'état initial de rouille. La deuxième partie, elle, avait été seulement traitée à l'acide phosphorique. Donc là, on voit que la tôle a été à nu et donc que l'hiver ne l'a pas épargnée. Donc elle a rerouillé de plus belle parce que l'acide n'est qu'un décapant. Et ensuite, au niveau de la troisième partie, c'est l'acide plus le rustol. Alors là, nous avons le résultat souhaité, c'est-à-dire que on a eu un décapage et ensuite l'antirouille a fait le travail et a permis à la tôle de ne pas rerouiller sur cette partie. Donc c'est le résultat espéré. Voilà, en tout cas les essais c'était dans le sens là que je voulais qu'ils aillent. Donc je suis très content du résultat. Donc acide plus rustol, ça ne bouge pas. Cette vidéo bilan touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura bien aidé. Si vous avez bien aimé le concept, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.